Bonjour Agnès. Bonjour. Alors j'imagine que quand on se lance comme ça à la tête d'une association comme Alzheimer, c'est qu'on a forcément des motivations aussi personnelles. Vous avez été touchée directement ? J'ai été touchée de par mon mari, oui, qui avait la maladie d'Alzheimer et qui a été malade pendant 16 ans. Et ça, qu'est-ce qui vous manquait à cette époque alors ? Eh bien, j'ai beaucoup souffert du regard des autres. Ah oui. Parce que à l'époque, la maladie était encore très mal perçue. Ouais. Elle était presque taboue, on n'osait pas le dire. C'était presque honteux, alors que c'est une maladie dégénérative du cerveau et une maladie comme une autre. Mais pour mener quand même une association comme celle-là, il faut avoir quoi comme motivation ? Quelles étaient vos motivations ? Eh bien, je voulais rendre service aux autres et améliorer la prise en charge du malade et permettre aux familles d'être mieux renseignées, de mieux prendre en charge le malade et de savoir mieux se débrouiller avec ce fardeau qu'est la maladie. Et est-ce qu'il y a des choses que vous avez appris aux côtés de votre mari, que vous avez transmis aussi, que vous transmettez aujourd'hui ? Ah oui, surtout, parce que mon mari était un malade jeune et surtout vis-à-vis des femmes de malades jeunes. Qu'est-ce que vous leur dites alors ? Elles retrouvent à peu près les mêmes problèmes avec les enfants. Les adolescentes, c'est très difficile de supporter une maladie d'Alzheimer. Elles retrouvent les mêmes problèmes avec la famille de leur conjoint, hein, qui les accuse souvent de ne pas bien gérer la maladie. C'est vrai. Oui, ça me donne une certaine légitimité. Parce que, contrairement aux professionnels, j'ai vécu la maladie et j'ai souffert comme eux, quoi. Ouais. Ils peuvent beaucoup mieux dire ce qu'ils ressentent vis-à-vis de moi, parce qu'ils se disent, j'ai pas honte, elle a vécu la même chose. D'une manière générale, comment est-ce qu'on peut réagir ? Comment est-ce qu'on doit être face à un malade ? D'abord, il faut comprendre d'abord la maladie et accepter le diagnostic. Alors, aussi longtemps que les familles n'acceptent pas le diagnostic, eh bien, elles sont incapables d'accepter les changements de comportement, parce que c'est une maladie qui touche quand même la personnalité même du malade, hein, qui se modifie. Oui, c'est ça. L'identité du malade est modifiée. Alors ça, il faut d'abord accepter le diagnostic. Une fois d'accepté le diagnostic, venir à nos formations et à nos rencontres. Ouais. Là, vous m'avez montré des photos où vous êtes en sortie, en week-end répit, comme vous les appelez. Vous emmenez les malades et leurs familles en week-end, en vacances. Oui, on les emmène en vacances pendant 5 à 6 jours. Je suis entourée de bénévoles, rien que des bénévoles, des infirmières à la retraite, des aides-soignantes qui ont eu un conjoint ou une mère malade et qui viennent nous accompagner. Il y a des miracles qui se produisent pendant ces week-ends ? Il y a des miracles pendant les week-ends, oui. Il y a par exemple un monsieur qui ne parlait plus et qui, après avoir chanté avec nous, et tout à coup, il a recommencé à parler. Qu'est-ce qui fait qu'on puisse reparler ? Parce qu'on a l'impression que c'est irrémédiable, la maladie gagne du terrain ? Non, je pense parce qu'ils reprennent confiance, ils savent qu'ils ne sont pas jugés, et puis les autres qui sont là portent un autre regard sur eux. Alors, ils recommencent parfois à parler, ou même... on organise aussi des cafés musicaux. Lors des cafés musicaux, il y en a qui se lèvent et qui voudraient danser. Alors que toute la journée, ils sont en fauteuil ou en chaise roulante. Oui. Merci Agnès. Voilà, témoignage émouvant d'Agnès. On va rappeler le site internet. Mais oui, je trouve que c'est important. Pourquoi pas contacter l'association si vous en ressentez le besoin pour ne plus être isolé face à cette maladie. Merci Caro.